Le CESVAC, Centre d'études spirites vendéen, présente. La petite vigne, spiritisme pour la jeunesse. Épisode numéro 18. Ne jugeons pas. Juger. Qu'il est grand le risque de se tromper. Vous ne croyez pas? Alors je vais vous donner un exemple. Cours de science. Observation. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Il décrit une courbe dans le ciel. Tout au long de la journée, nous le voyons se déplacer. Or, nous savons maintenant que notre vue ne nous donne pas une information correcte. Le soleil ne bouge pas. C'est la Terre qui tourne autour de lui, avec nous à sa surface. Conclusion, nous voyons ici combien il est facile de se tromper, même si nous sommes sincères et de bonne foi. L'habitude de juger est une des imperfections de notre caractère. Avant de porter un jugement sur quelqu'un, il faut observer tous les faits pour ne pas se tromper. Et il faudrait même pouvoir connaître tous les éléments de la situation de cette personne, dans cette vie et dans ses vies antérieures. Et cela nous est impossible. Le droit de juger appartient à Dieu notre Père, car il est seul à pouvoir le faire avec une véritable justice. Mais nous avons tous le droit d'analyser le bien et le mal afin d'exercer notre discernement et de pouvoir suivre le chemin de Dieu. Juger une action est différent de juger une personne. Je peux juger et considérer que la violence est moralement mauvaise, mais je ne peux ni ne dois juger l'homme violent. Se mêler de la vie des autres, mal parler de nos amis ou de nos proches, critiquer leurs actes, colporter à d'autres la faute que l'on a vue commettre par quelqu'un, tout ceci est juger les autres. Et juger les autres, c'est être orgueilleux, car ceux qui jugent se croient supérieurs à leurs frères. Lorsque nous percevons les défauts des autres, nous devons éviter d'en parler ou de les faire connaître. Ayons de l'indulgence, de la compassion et le pardon dans nos cœurs. Jésus nous a dit « Ne jugez pas, afin que vous ne soyez jugés, parce que vous serez jugés comme vous aurez jugé les autres. » Nous ne devons pas juger les autres plus sévèrement que nous ne nous jugeons nous-mêmes, ni condamner dans l'autre ce que nous excusons en nous. Ne jugeons pas non plus notre prochain sur des apparences, car nous pouvons nous tromper et lui causer un grand tort. Chaque personne a ses difficultés, et il n'y a pas deux problèmes qui soient absolument identiques. Nous devons être tolérants et essayer de comprendre. Et souvent, les jugements que nous portons sur les autres nous informent sur les défauts que nous avons nous-mêmes, à l'intérieur. Un moyen simple nous aidera à nous libérer de ce défaut. C'est de prendre pour règle ce qui suit. Parler et penser seulement en bien, de tout. Et quand on ne peut pas parler en bien, eh bien, garder le silence ou détourner la conversation sera la solution. Il y a tellement de beaux sujets qui méritent notre attention, sans perdre du temps à critiquer les autres.